Hostias, cojones, elle n'est pas accordée. Hola, soy Mari Carmen. Excusez-moi, je viens de rentrer, j'ai pas eu le temps d'accorder la guitare parce que vous savez, j'ai un été, j'avais pas envie de rentrer. Pourquoi? Vous savez pas, mais moi je sais. Parce qu'en fait, j'étais, vous voyez, c'est moi, sous les fleurs. J'étais dans la forêt amazonienne, que c'était la forêt tropicale, que c'était, j'ai fait un stage au début au Brésil, des retraites, parce qu'il y avait besoin de faire le yoga, de me ressourcer, parce que j'avais fait Saint-Tropez, Ibiza, j'étais crevée. Et là, je suis partie là-bas et j'avais plus envie de revenir. Pourquoi? Parce que là-bas, j'ai rencontré un chaman, un gourou. Et moi, j'ai commencé par le yoga et tout ça, et j'ai fini chaman, j'ai fait une formation. J'ai pris une drogue, je sais plus qu'est-ce que c'était, et je suis devenue chaman. Et vous savez qu'est-ce que j'ai découvert? Que ça c'est passionnant, qui j'étais dans d'autres vies, qu'il était une déesse, si, une déesse, bah, si. Bon, ça se voyait de vos restes, mais j'étais une déesse pharaon à l'époque des pharaons, que j'étais une Néfertiti, il était aussi Cléopâtre, il paraît, il était aussi une prêtresse, une Pitti à l'époque de la Grèce antique, et c'est moi qui le communiquais avec les dieux, il était aussi un gros panda, que j'ai passé la journée, il paraît, à me gratter le ventre. J'adore, c'est passionnant. Donc bon, je suis revenue pour vous, mes amours, parce que vous m'avez écrit des messages, que vous ne pouvez plus vous passer de moi, que vous avez besoin que moi, que je revienne pour faire tout ça. Bon, je suis revenue, mais j'ai changé d'instrument. Là, j'ai la guitare. Mais je suis tombée amoureuse d'un professeur de Yidaki, que tout le monde connaît, c'est les didgeridoo, que tous les rastamans ils l'ont à Paris. Mais c'est un instrument que le très phallique. Très phallique. Et moi, j'ai appris à faire tous les didgeridoo. Et adoré. Donc là, si vous connaissez un professeur de didgeridoo, me llamáis cariños, ¿vale? Mais je continue aussi la guitare parce que c'est vrai que, bon, il est revu Andréa, il l'a croisé par hasard dans la rue, il est pas mal, hein? Bon, il est toujours avec sa pétasse, mais bon, hein? Le divorce, hashtag divorce, heureusement que ça existe. Allez, besos, besos, os dejo. Y retourne à ma guitare pour essayer de montrer à Andrea que j'aime les didgeridoo, mais pas que. Ciao, ciao!